pense que je suis tout le temps en tête à Non, le shade! Vous voyez de l'ego aussi, le flou. Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je reviens avec Élise, que vous avez peut-être vu la semaine passée dans ma dernière vidéo. Si vous avez vu, sinon je vais vous mettre ça dans les cartes. Je sais plus quel côté, mais à quelque part ici. Et aujourd'hui, elle me fait un makeover. Fait que on va commencer par l'hydratation. Oui, on va commencer par l'hydratation. Maintenant pour le teint, on va y aller, on va mettre une base de fond de teint, puis on va y aller avec le Fenty Beauty. Wow! Oui, j'ai du budget dans le maquillage. Je me sens honorée de pouvoir mettre... C'est bien juste un Fenty budget. J'ai juste un highlight Fenty. Juste, ben oui, juste ça. C'est pas qu'il coûte 46$. J'ai presque l'air tout nu des fois, mais je vous dis, j'ai un chandail. Je pense qu'on va y aller avec lui. Il est pas full coverage, là, mais... C'est déjà plus que ce que je fais d'habitude. Ouais, c'est pas bien. Ça, c'est un fond de teint, c'est ça. Il est en... C'est-tu un Kiko? Hein? Oui, c'est un Kiko. Je t'en mets pas. Surtout que c'est sûr que Élise a du fond de teint plus foncé que ma peau parce que moi je suis tout le temps en teint à Ok, c'est bon. Ok, le drame est évité. J'aime la peau sèche, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peau sèche ou peau sec? Peau sèche. Peau sèche. Je sais jamais comment ça peut sonner. Mais je pense. Je sais oui, ben c'est une peau. Une peau. Une peau sèche. Ok. Mais quand on dit c'est sec, c'est-tu c'est sèche, c'est sec? C'est sec. Je pense. On n'est pas sûr, mais on s'avoue que finalement j'ai pas eu une si bonne note en français. Dropez des commentaires, c'est quoi que vous pensez? Regarde en haut encore. On s'entend que mon français 101 n'a pas été une force, fait que... Là, le français. Je te dis, il est vraiment full coverage, fait que on en met pas beaucoup. T'as besoin juste d'en mettre une fois, je pense. Oh ouais, thank you, thank you. C'est sûr qu'il est tellement plus pâle que tout le reste du fond de teint. C'est pas grave, c'est ça lui. Ouais, mais vraiment. Petite brosse en rond. Pour les places que j'ai mis du concealer, on va y aller avec une poudre de finition. Moi, j'ai la Makeup Forever. Ouais, c'est ça. Makeup Forever, puis c'est Ultra HD, mais pressé. Mais la marque Ultra HD de Makeup Forever, ben, bon, j'ai pas toutes là, mais je sais même pas qu'il y avait une press. Ça, là, ça fait tellement beau, là, sa finition. Ça fait pas de flashback. Non, ça fait pas de flashback. Mais moi, je pense que c'est mon concealer qui fait le flashback. Moi aussi. Comme on a vu sur ma photo de carte étudiante. Moi non plus, je vais pas. C'est vraiment la poudre. Je te mets partout dans la face. Mais c'est parce que ça, si je te l'avais mis en dessous des yeux, là, t'aurais été tellement sec. Quoi. Ouais. Puis baking aussi, ça sèche la peau. Fait que ouais. C'est un gros non. Ça va juste me faire encore plus de petites ridules en dessous des yeux. On va tout se faire. Tu switches le corps au complet. Bon. Bonjour. Allô! T'es bien. Merci. J'ai déjà des cils, fait que... Ouais, ça, ça va être... J'ai l'air en moins tout nu des yeux. Non, mais sérieux, c'est pas si pire. Regarde-toi, là. Ben, je vois presque rien, mais ça a pas l'air si pire. Ben, je suis vraiment essayé de me pencher pour regarder comme si j'allais voir quelque chose. On va y aller avec le contour. La palette NYX, qui a du vécu, ma foi. Oui. Elle ouais, elle marche encore. Bah oui, le produit est en moi, je contour jamais, fait que ça va être quand même. Le highlight est surtout très creusé. Ça va être spécial. Tu contour jamais? Je contour jamais. Quand je le dis, à la dernière session, il n'y a pas une journée où je n'ai pas mis de highlight et il n'y a pas une journée où j'ai mis le même outfit. Oui, on était très fiers de Élise parce que moi, j'ai pas réussi ce défi-là. Je pense que c'est pas le même kit. I'm an outfit repeater. Une date, mon vieux du vendredi. Ça t'envoie pas? Non, ah, pas sais plus. Tu as commencé à être influencée par mes choix de maquillage. Exactement. J'ai commencé à racheter ces Sephora quand Élise est arrivée dans ma vie. Oups. Je suis vendeuse en vie, là. Hey, regarde ça. C'est pas pour rien aussi qu'on est dans le marketing et la gestion de commerce. T'sais. Puis je travaille dans une boutique, fait que je suis habituée. J'aime ça, là. Même sans le vouloir, tu sais, en dedans. Ouais, ça, c'est ça le pire. Franchement, je regarde depuis tantôt, mais je vois rien. Oh my god, c'est-tu un blush de Nars? Oui, on va utiliser un blush de Nars dans le shade Dolce Vita. Dolce Vita. J'ai pas un mot italien. Et ça fait des années que j'ai pas mis de blush. J'avais un petit blush du Walmart, c'est le seul que j'ai.
Quoi? Je n'ai jamais racheté parce que je trouvais que ça valait pas la peine. On s'attaque dans toutes mes amies blanches parce que j'ai toutes mes amies blanches. Je suis la plus blanche. On va venir rajouter. Comme si j'étais une amie full à des ethnies à mes amis. Malheureusement, il n'y a pas tant d'ethnies. Charlotte de Manu. Charlotte Manu. Je me demande de quoi je vais avoir l'air. Chaud, c'est ça. Je sais que je vais avoir plein de commentaires au travail. Quand tu travailles à la Saint-Valentin. Hey, joyeux Saint-Valentin! Joyeux jour de la Saint-Valentin! De la Valentin! Est-ce qu'on voit comment j'ai l'air comme pas sûre de cette fête-là? La bonne chose, c'est que ton bronzage de corps va fitter avec le reste oui, de ta parce face. Parce que ma face a pelé comme 3 jours après mon arrivée, fait que le bronzage n'est comme pas égal. Bon, maintenant le highlight. J'ai comme légèrement une ligne encore. Comme, on voit peut-être pas, là, mais oui, j'ai encore une. Mon coup de soleil, là, j'ai encore la forme de coup de soleil. Donc, on y va avec le highlight. Puis en premier, on va mettre une petite base liquide. C'est un NYX Born to Glow Liquid Illuminator. Dans le shade. D'étonnement. Franglais. Dans le shade. Dans la teinte, c'est ça qu'on dit? Je sais pas, j'écoute pas des vidéos de beauté en français. Dans le shade. Dans la teinte, rayon de soleil. Parce que Maxine, c'est mon rayon de soleil. T'as pas c'est une vidéo genre I'm presenting you my girlfriend. C'est comme mon, ma blonde fait mon maquillage. Ouais, t'as vu quoi? D'abord, c'est un announcement genre je vous montre ma blonde. Ah oh, ouais, je vous montre ma blonde, gang. Pour la Saint-Valentin. Ce nom-là de highlight, comme très plus beau, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est... En passant, on riait pas de tous ceux qui sont homosexuels. Non, avant qu'il y ait des commentaires. Ouais, c'est ça. Donc, rayon de soleil. Mais sérieux, NYX, là, pour rapport qualité-prix, là, c'est ça qui va le mieux en pharmacie. Surtout des gens tout dessus. Vous voyez, je fais de l'annonce. Je te maquille comme moi, je me maquille, là. Fait que, ben du highlight. Pour finir le tout... Oh, ça, c'était... J'ai oublié de le préciser. Oh quel était... C'était un Jeffree Star. Dans la teinte Eclipse, c'était une collaboration avec Maniam Yue. Et sérieusement, oh, c'était sa collab. C'était sa collab, ben oui. Ben franchement. Je suis libre. Ok. T'es prête? Parce que tu sais, tu vas travailler à ça. Fait que... Pour la Saint-Valentin, on sait jamais quelle aventure il peut nous arriver. Donc, bon, je vais prendre le Beauty Blender puis je vais vraiment venir peser. Oh. Pressé, press. En tout cas, je vais venir vraiment. Quand Alice ne parle presque pas français. Je vais vraiment venir rentrer le produit dans la peau. C'est sa langue maternelle, mais ça paraît pas. Ça paraît pas, non, effectivement. Je vais vraiment tout venir rentrer ça dans la peau. Comme ça, ça va tout faire fondre la poudre dans ta peau. Anastasia Brodyp Pomade dans le taupe. Encore un achat fait à cause de Alice. Ouais, dans le fond, là, elle se demandait quel shade qu'elle voulait, parce qu'elle disait qu'elle voulait une shade plus foncée. Plus foncée. Là, j'ai dit c'est intense, parce que moi, j'ai taupe, puis c'est ça vraiment sur le brun. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ben, je vais te l'amener demain à l'école. Donc, en plein milieu de la salle de sèche, je suis en train de faire les sourcils. Exactement. En plein milieu d'un centre social, tu te fais faire les sourcils. Oh, t'as le revelash. L'anglais est pas facile aujourd'hui. La teinte 30S Pro. Oh my god, je savais pas que tu l'avais. Ah ouais. Voyons. Focus. Focus on me. Donc, comme base à mon avant-tière, je vais utiliser encore son cache-cerne. Le shape tape. Sérieux, je l'ai. Le best cache-cerne. Si vous pouvez aller aux États-Unis, vous le procurer ou le commander par internet. On va utiliser une petite couleur comme ben straight, ben bas. C'est. Elle s'appelle classique. Maintenant, on va y aller. C'est comme un brun mauve nude, puis vraiment juste. Non, je vois pas la couleur, mais je trouve ça drôle, check. Brun mauve nude. Ah, à vous? Ouais. C'est la seule manière de le décrire. J'aurais dit. Puis elle s'appelle Indie. Ouais, elle est taupe. Dans le fond, je suis vraiment dans les couleurs taupe. Ouais, même couleur que mes sourcils. On va y aller dans le même, mais un petit peu plus foncé, fait qu'on va aller. Ça s'appelle Profesh. Foncé, on va y aller avec Fierce. Ça, on va juste vraiment le garder le plus dans le côté outer corner. Maintenant, on va y aller dans le rose. On va utiliser ben, Rose Move. Ça s'appelle No Filter. C'est ça qu'on va y aller avec Drama. On va y aller avec Glam. Mon make-up de balle était pas le même. Bouge pas. Ne bouge point. Je pense que je t'avais. Je vois rien de l'œil gauche. C'est tout flou.
Parce que mon verre est déplacé. Je pense que oui. Ah, okay. J'ai-tu déplacé ton verre? Ben, je sais pas. Oh my god! C'est tellement plus intense que mon maquillage d'habitude. Ben là, j'espère, c'était ça le but. Waouh! Oh my god, mes yeux là! J'ai pas fait ça. Waouh! Là, c'est vraiment laid quand on regarde comme ça parce que j'ai l'air genre. Ça focus pas pis j'ai l'air d'une drag queen. Mais... hey, Jerry Star là! J'aime vraiment la couleur. À vous, hein, Christmas Cookie! C'est la collection de Noël. Non, salut. C'est tout. Merci à Elise. Il faut que je me baisse, sinon je perds mon niveau. Donc, c'est tout pour la vidéo. Un gros merci à Elise de m'avoir fait mon maquillage. Finalement, merci à toi de m'avoir sur ta channel. Oui, on va peut-être la revoir. Si vous voulez voir plus de vidéos avec Elise, ben, dites-moi ça dans les commentaires. C'est sûr que vous voulez la revoir. Puis sinon, ben, je vais mettre encore une fois la vidéo où Elise était là aussi dans les cartes. Comme ça, si vous voulez aller la voir plus. Ben. Puis je vais mettre son Insta dans la barre d'infos. Donc, c'est tout. Je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!